Salut, c'est Laure Marie. Vous avez posé des questions à VDBuzz, donc je vais y répondre. Je m'appelle Laure Marie, j'ai 20 ans et je suis influenceuse maintenant. Donc du coup, je fais 1m78 et pas 1m82 comme Julien Bert a dit dans l'émission. Je suis poisson. Quand même, dans l'ensemble, c'est un poisson, c'est empathique et je pense que je le suis, à l'écoute, et je le suis. C'est pour ça qu'aussi j'avais fait des études d'infirmière avant. Bah du coup, j'ai fait un bac pro SSP, aide soins et services à la personne, parce que j'ai toujours voulu être infirmière. Après, j'ai fait une prépa infirmière, je suis partie en école d'infirmière, et voilà. Et ensuite, j'ai arrêté pour faire de la télé. Je suis française. Bah franchement, c'est une bonne expérience, faut le vivre, c'est pas dû à tout le monde, mais ça serait à refaire et je pense que je le vivrais différemment, forcément. Quand on fait quelque chose, après, on le refait mieux quand on le refait après, plus tard. Oui, quand même, c'est positif, mais... oui, c'est positif. pas du tout, mais après je me plaignais beaucoup à la prod parce que j'en avais marre, je voulais partir. Franchement c'est pesant, j'avais envie de retrouver mes proches, ma famille, donc je pense que c'est pour ça aussi que du coup je suis partie. Mes proches m'ont reconnue, moi des fois je pouvais pas me voir, franchement m'entendre parler, mes mimiques et tout, des fois non je pouvais pas. je me suis orientée par la télé-réalité parce que j'ai toujours voulu faire influenceuse. Donc je me suis dit que c'était pour moi l'opportunité de justement pouvoir développer ça. Oui, je regardais la télé, mais après je suivais pas tous les jours parce que c'est vrai que des fois tu vas pas regarder un jour, mais le lendemain tu vas regarder, tu vas tout comprendre. Donc voilà, mais je suis surtout sur les réseaux sociaux. Je suivais, je sais pas, les 10 couples parfaits, j'ai regardé, les princes et princesses, mais je regarde jamais un programme en entier, en temps général. Là j'ai regardé parce que forcément j'étais dedans, mais sinon... en fait, il y a 2 ans, j'ai fait une soirée avec Adrien Laurent et on a flirté ensemble pendant 3 jours. On s'est vus, on a fait des soirées ensemble, etc. Et je pense que c'est comme ça que je me suis fait repérer parce qu'il m'avait mis dans ses stories. Donc il m'avait proposé, même la villa m'avait proposé sur Instagram. J'avais refusé et au final, là, l'année dernière, on m'a reproposé. Je me suis dit, bon, bah allez, en plus avec le confinement et tout. Et j'en avais marre des études. Je voulais bouger, j'en avais marre d'être assise sur une chaise. Et je me suis dit, bah allez, vas-y, j'y vais. Voilà, sur Instagram. Franchement, je partais en vacances à Saint-Tropez, pour moi c'était trop bien, hein. C'était pour mes premières vacances vraiment avec mes copines. Donc j'ai kiffé, je me suis pas posé de questions. Après, en prenant du recul, je me dis waouh, ah ouais, en fait tu veux pécho toutes les meufs. Et je me suis dit, Laure Marie, qu'est-ce que t'as fait? Mais voilà, maintenant c'est fait et franchement, il est grave cool. En tout cas, il a été respectueux avec moi quand je lui ai parlé et voilà. Et depuis, plus de nouvelles, hein. J'ai toujours son numéro mais on s'est jamais rappelé. Il a été hyper respectueux, c'est un homme, il a pris soin de moi, il a été doux. Bah je sais pas, on se tapait pas assez de délire, on rigolait pas assez ensemble. Donc même si je serais restée dans l'aventure, dans tous les cas, on n'aurait pas fait notre vie ensemble, c'est sûr. Non, physiquement ça va, c'est un bel homme, mais en temps général, je suis pas attirée vers ce genre d'homme. En temps général, enfin je me serais pas retournée vers lui dans la rue, quoi. Des sentiments. Bah en fait, on se piège à notre propre jeu dans cette maison parce qu'au final, j'étais là pour lui, donc j'étais obligée de me concentrer que sur lui. Donc forcément, je m'accrochais à lui. Après, des sentiments, c'est gros parce qu'au final, je suis restée 12 jours. Donc 12 jours de tournage, oui, ça représente un mois à la télé. Donc on se dit, ouais, pourquoi elle s'ouvre pas et tout? Mais moi, en 12 jours, je peux pas m'ouvrir à quelqu'un, c'est impossible. Alors oui, je suis souvent attirée par des hommes plus vieux, mais ouais, c'est vrai, là, ça me dérangeait beaucoup, surtout qu'il a 2 enfants. Donc voilà, moi, j'ai envie de construire ma vie, avoir des enfants avec quelqu'un qu'on n'a pas eu, qui découvre la même chose que moi au même moment, enfin... Voilà, donc même par rapport à ça, je pense que ça n'aurait pas marché. Alors, on était en contact, on se parlait sur Snap, mais depuis qu'il est avec Félicia, enfin, qu'en fait, elle l'a rejoint sur Paris et que maintenant, ils habitent ensemble, bah, plus du tout, il m'a supprimé de Snap et voilà. Après, moi, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Franchement, si on venait à se voir, enfin, je lui dirais bonjour, j'ai rien du tout contre lui, mais non, sinon, c'est pas le plus. Enfin, non, franchement, j'ai pas regretté mon choix pour Mouchtad, parce que quand je vois le comportement de Bastos, petit vagabond à droite à gauche, non, non, je regrette pas. De pas avoir été assez moi-même, de pas avoir assez rigolé, de... Enfin, je sais pas. D'avoir trop pleuré, peut-être. Je sais pas. Bah, franchement, déjà, les prétendants, ils sont largement plus beaux que les princes. Donc je pense qu'il y a eu une erreur de casting, je sais pas, mais ouais, franchement, Nico c'est un bel homme, Abby c'est un bel homme, tu sais, même plus Marc c'est un bel homme aussi, enfin je sais pas, il n'y a pas un plus que l'autre. Après moi je marche au feeling aussi, il n'y a pas que le physique, hein. Les princes, non, enfin moi j'ai connu que Bastos quand j'y étais, donc non, franchement tout le monde me voyait avec Bastos, oui j'en étais sûre que t'allais y aller pour Bastos, mais non, pas du tout, tu vois, j'aime pas les tatouages sur le visage.
elle a juste dit qu'en gros je lui plaisais, pas qu'elle me trouvait super beau, et comme c'est quelqu'un qui aime bien plaire. Ouais, bah oui, j'aime plaire, mais tout le monde aime plaire au final, c'est juste qu'il y en a très peu qui l'assument. Et j'ai dit ça comme ça, je sais pas, genre dans une conversation, j'ai dit ouais, j'aime plaire à Mouldad, je sais pas pourquoi je lui ai dit ça, mais ouais, je suis comme ça, j'aime bien provoquer, j'aime bien la provoquer. En fait, déjà, c'était en off, c'était un samedi soir, donc en gros, après le lendemain, c'était du off. Et ça a été raconté déjà dans la nuit du samedi au lundi, du coup, enfin, ça a été raconté trop bizarrement. Mais en fait, moi, j'ai voulu aller dans le jacuzzi avec mes copines, mais mes copines, elles dormaient. Et il n'y avait que eux deux qui étaient réveillés. Donc du coup, bah, je leur ai dit, on va faire un jacuzzi, on a été faire un jacuzzi. Mais moi, limite, j'ai plus de potes mecs dans la vie de tous les jours. Je suis grave un garçon manqué un peu. Donc, pour moi, il n'y avait pas de mal. Je ferais ça à l'extérieur, ça n'aurait pas provoqué un énorme scandale comme ça dans la maison. Enfin, genre, je trouve ça complètement débile. On a fait un jacuzzi, c'est tout. Genre, parce qu'on était potes, on se connaissait aussi d'avant l'aventure. On a été dans un hôtel pendant une semaine ensemble. Donc, forcément, déjà, on a créé des liens. Voilà quoi, sans plus. C'est juste que, de toute façon, Alix, elle m'aimait pas. Donc, forcément, à ce moment-là, elle a pu me piquer. Donc, elle en a profité pour me redescendre. Et puis moi, je pense qu'elle m'aimait pas la façon dont je la regardais, ou je lui répondais, ou je sais pas, je pense qu'elle aimait pas. Clairement, ouais, c'est Alix qui, le matin même, elle est arrivée au petit-déj, oui, toi, t'as fait un jacuzzi, nan. Mais au final, il y a quoi de mal? Elle fera un jacuzzi avec Bastos et Mouchdat, on lui dira rien. Bah, c'est pareil. Ah non, c'est pas réconcilié, non, pas du tout. Mais je pense pas qu'on se réconciliera. Non, je sais pas quoi dire d'Alix en vrai de vrai, c'est. Je sais pas. Elle est trop dans sa bulle. Avant, elle était pas comme ça, en fait. Faut pas qu'elle oublie d'où elle vient. Elle aussi, elle est passée par là et on n'est pas des merdes, en fait. C'est pas parce que toi, t'as fait plusieurs télés que tu dois te sentir là et nous, on vient d'arriver, tu nous prends de haut. Enfin, vraiment, je pense que l'argent, ça rend complètement fou, quoi. Ouais, du coup, Lila, elle s'est excusée sur ses stories sur Insta et je lui ai demandé qu'elle s'excuse en privé parce que pourquoi faire du buzz, en fait. C'est. Enfin, je sais pas, pourquoi tu parles sur tes réseaux? Si t'as quelque chose à dire, viens me le dire à moi directement. Donc du coup, elle m'a envoyé un message pour s'excuser, mais j'ai parlé à des copines à elle qui m'ont dit que c'était totalement faux, qu'elle cherchait que le buzz, qu'apparemment, les jours off, le dimanche, elle a appelé sa copine en lui disant « Ouais, de toute façon, ici, il y a tout le monde qui a peur de moi, je sais pas quoi. » Enfin bref, elle veut trop le buzz, en fait. À chaque fois que je parle avec elle, c'est « Ouais, elle m'a dit « Ah oui, toi, t'as eu de l'audience, donc c'est bien pour toi, je sais pas quoi. » Moi, au final, il y a personne qui m'aime, mais c'est bien pour toi. » Enfin, bref, je peux pas me l'avoir non plus, puis rien que sa voix de crécelle, ça m'insupporte. Bah, mon coup de cœur, après je me suis bien entendue avec des prétendantes, mais mon coup de cœur princesse, ça serait Beverly. Beverly, c'est, elle reste elle-même, elle est tellement drôle, genre naturellement, elle a pas besoin des caméras ou quoi pour... Enfin, elle est elle-même quoi, elle joue pas un rôle, caméra, pas caméra, c'est la même personne, tu vas pas parler à quelqu'un de différent quand il y a les caméras. Boris, mais on s'est rencontrés avant l'aventure, à l'hôtel, et ouais, c'est celui avec qui j'ai tapé plus de barres, mais au final, il y a personne qui l'aime, mais en vrai, il est pas du tout comme on le voit à la télé, il est pas du tout comme ça, on lui a fait une mauvaise image et... Enfin, non. Donc oui, du coup, Alix, c'est la personne que j'aime le moins, c'est plus un secret, je pense. Et pourquoi je l'aime pas? Parce qu'il y a eu une altercation, ça a été au-delà des mots, et voilà, et c'est pas possible. C'est pas possible, ça. En plus, elle me connaissait pas, donc tu peux pas te permettre de faire ça. Parce que j'avais été voir Sarah dans sa chambre, avec Jade et Anaïs, et parce que Sarah, elle était un peu vagabond, elle allait vers tous les princes, et moi, je voulais mettre carte sur table, savoir en fait qui elle aimait dans la maison, quel prince. Ton prince, à la base, c'est Mathias, tu vas vers Mouchdat, tu vas vers Bastos, enfin, décide-toi. Donc c'était juste pour ça, et au final, ça lui a pas plu, parce qu'apparemment, je l'aurais pris en grippe avec mes copines, elle toute seule, alors que non, pas du tout, enfin... Et Sarah, elle a été se plaindre à Alix, elle a fait Calimero. Donc du coup, après, c'est retombé sans moi. Mais oui, je suis toujours en contact avec des candidats. Il y a Virginie, on s'envoie souvent le message. Ceni, Céline, Marc, on s'est vu la semaine dernière. Et qui Abby, on s'envoie des messages de temps en temps. Boris, quand même pas mal de monde, hein. Là, ça me vient pas. Désolée si j'ai oublié quelqu'un. relation discrète, relation parfaite. Bah, la signification du cobra, c'est puissant, c'est fort, ça a des valeurs. C'est... En fait, quand ça te mord un cobra, en temps général, tu peux pas revenir en arrière, c'est rédhibitoire. Voilà, c'est ça, c'est la force. Bah, je l'ai fait en plusieurs étapes, mais oui, c'était l'année dernière, j'y suis allée au moins 7 fois chez le tatoueur. Bah, à la base, grand, musclé, yeux bleus, brun, je sais pas, qui est respectueux, doux, intelligent. Mais du coup, j'ai fait mes lèvres. Je fais de l'acide hyaluronique. Et sinon, j'aimerais bien faire prothèse mammaire parce que je suis complexée depuis longtemps.
Et c'est pour moi, je le fais. Mais après, je ne ferai pas des seins comme ça non plus. Hein. Ça serait proportionnel à mon corps. Bah oui, après, faut pas être dans l'excès non plus. Hein. Mais oui, il n'y a pas de mal. Si ça peut soulager quelqu'un qui se sente mieux dans sa peau, bah oui, je dis, il faut le faire. Bah oui, j'aimerais bien continuer la télé. Après, faire peut-être une aventure enfin, comme Moundir, par exemple, ou les Marseillais vs le reste du monde, qu'on voit différemment, mais pas un truc d'amour, comme les princes. Mais oui, pourquoi pas. Après, vraiment, je me concentrerai sur l'influence, être influenceuse et continuer là-dessus. Donc voilà, j'ai répondu à vos questions. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.